Coucou mes petites biches, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Et avant de commencer et de vous dire où je vais et tout ça, je voulais juste qu'on souligne le fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire mes cheveux du premier coup, c'est-à-dire je n'ai pas dû me battre avec mon restant de mèche que j'aime bien faire aller sur le côté, comme ça un peu en mode, vous savez, le brushing des années 70. Et bien cette fois-ci, un petit coup de lisseur et comme par magie, elle s'est mise toute seule et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais à un événement organisé par une Belge qui vit à New York depuis bien 2 ans je pense, et qui a créé une entreprise qui s'appelle She for She, et le deuxième She c'est S-H-E en majuscule, et ça veut dire sharing, helping, empowering, et c'est quelque chose qu'elle a créé totalement pour les femmes, pour s'entraider entre femmes, et notamment entre femmes francophones qui vivent à New York, et elle organise régulièrement des petits événements, ou des grands, j'en sais rien en fait, elle organise régulièrement des événements dans la ville, et aujourd'hui il y a un événement à Soho avec la marque d'alcool Lillet et une marque de sac à main dont j'ai oublié le nom, mais vous verrez certainement un peu plus tard dans la soirée. Donc voilà, je suis contente parce que mes cheveux ont décidé de coopérer aujourd'hui. Il fait extrêmement chaud dehors, donc à mon avis la mèche ça va pas tenir, mais voilà, comme ça on aura une image pour la postérité. Je vais uniquement prendre mon téléphone pour vlogger, donc sorry si je regarde toujours l'écran, vous savez, c'est beaucoup plus tentant de regarder son retour écran que de regarder dans le petit trou de la caméra. Pas l'habitude de vlogger avec le téléphone et j'ai perdu l'habitude de vlogger tout court. Donc bon, je vous emmène avec moi, on va aller faire un petit tour ensemble à cet événement. C'est parti. La végétation a poussé de ouf en quelques jours. Comment il fait chaud ici, c'est dingue. Je me mets en vignette dans un coin de l'écran pour vous commenter les quelques images que j'ai prises pendant la soirée avant de continuer en plein écran un petit peu plus tard. Je suis allée à la soirée en métro, comme souvent, et je voulais vous montrer en fait la station de Union Square qui est tout le temps bondée. Et comme vous voyez, il y a tellement de gens que j'ai même pas su descendre les escaliers à temps. Et donc quand je suis arrivée en bas des escaliers, le métro s'en allait. Donc je l'ai raté. C'est pas très grave étant donné qu'il y en a très souvent, mais évidemment ceux d'après avaient du retard. Donc bon. Mais bon, c'était pas très grave, on n'était pas obligé d'arriver à 19h pile, mais enfin, vive le métro. Sur place, on a pu découvrir l'alcool Lillet que je ne connaissais pas du tout, et on nous a fait goûter ça sous forme de spritz apérole, mais là c'était un Lillet Schweppes, c'était super bon, il y avait un petit peu de concombre et de fraises avec, franchement très très bon. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Ensuite, j'ai un petit peu filmé les lieux, c'était un chouette endroit, c'était comme un hall qui s'appelle le Public Factory et qui, je pense, abrite plusieurs pop-up stores. Donc il y avait plusieurs corners avec un endroit où on vendait des chemises, un autre endroit où on vendait des chaussures. La vedette de la soirée, c'était bien évidemment ce beau petit chien que j'ai pas pu m'empêcher de filmer. Et j'ai totalement craqué sur cette toile de Beyoncé en Madone que je trouve sublime. Et ça, c'est la porte des toilettes qui, elle aussi, était complètement taguée, peinte d'une manière un peu psychédélique. Ensuite, j'ai quand même filmé un tout petit peu les sacs de la marque Lolo Chatenay, juste pour vous les montrer. Cependant, deux mots sur la marque, vraiment, c'est pas du tout un partenariat. La fille qui organise ces events, elle avait un partenariat avec la marque de sacs, mais moi, personnellement, non. Mais juste pour vous dire, au cas où, parce que c'est une marque française, ce sont des sacs qu'on peut composer de A à Z, donc du sac à l'anse, en passant par le revers, enfin plein de choses. J'en ai fait un sur le site, complètement au pif, ça a coûté 4 000 $ sans taxes, je pense. Donc, sachez-le, si vous les trouvez jolis, sachez qu'il y a le prix derrière. Mais voilà, on a eu l'occasion de voir quelques sacs hier et peut-être que ça en a intéressé certaines. Et voilà pour mes quelques images de cette soirée. Je suis super contente d'avoir fait le pas d'y aller toute seule parce que bon, faut quand même oser aller à un événement comme ça toute seule quand on connaît absolument personne. Au final, j'ai fait quelques rencontres sur place, donc c'était vraiment chouette. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Valériane, la créatrice du projet She for She, qui m'a expliqué qu'il y avait plusieurs types d'événements. Hier, c'était typiquement un drink, donc il n'y avait pas de présentation, ce que je pensais qu'il y aurait par rapport au sac, mais non, c'était juste une exposition, on va dire, des sacs qu'on pouvait, je pense, acheter. Et elle m'a dit qu'il y avait d'autres types d'événements, notamment des groupes de discussion où là on est 15 maximum et où c'est vraiment un échange, voilà, parfois même en plusieurs petits groupes dans les 15 où on va vraiment s'entraider, essayer de dépasser nos craintes et nos peurs pour la création de telle ou telle chose ou juste se soutenir, hein, tout simplement. Et elle a aussi des ateliers, des événements création, workshop, où là, l'a déjà fait avec le parfum,
bientôt elle va faire avec du chocolat. Malheureusement, c'est sold out, donc je vais pas pouvoir y aller. Je trouve que c'est vraiment un concept comme ça. Je suis contente d'avoir découvert ça et de voir qu'on est vraiment dans une démarche d'entraide féminine. Et ça m'amène à deux lectures, une que je viens de faire et l'autre que je suis en train de découvrir. La première, c'est We Should All Be Feminists. Nous devrions tous être féministes, de Chimamanda Ngozi Adichie. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. C'est la retranscription d'un discours TED. Vous connaissez peut-être les TED Talks, qui sont souvent, même toujours, des discours très inspirants. Ici, c'est une femme qui nous parle du féminisme, de sa vision du féminisme. L'auteur vient du Nigeria, elle vit aux États-Unis à présent, et donc elle raconte quelques anecdotes du sexisme, surtout au Nigeria, comment ça se passe là-bas pour les femmes, mais elle généralise ça aussi à la vie, hein, et elle dit que c'est pas parce qu'on est aux États-Unis que ça se... Si, c'est différent, mais il y a quand même des exemples tout le temps de sexisme, et surtout de pourquoi t'es féministe, les féministes sont comme ci, sont comme ça, c'est des acariâtres qui détestent les hommes. Elle démonte un petit peu ça, c'est très court à lire, hein. Ça fait une cinquantaine de pages, c'est un petit livre. Donc si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vivement soit d'écouter le discours sur le site TED Talks, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve, ou de lire ce petit livre qui coûte vraiment pas très cher. Ça coûte 8$, donc ça va, mais enfin, c'est vrai que si vous voulez l'écouter, c'est peut-être encore moins cher. Très intéressant comme lecture et surtout intéressant à passer à l'entourage s'il y a des gens qui sont un peu classiques, on va dire, et qui comprennent pas trop pourquoi on se bat pour les droits de la femme et pour l'égalité des sexes. Je pense que ce genre de petit ouvrage très simple et expliqué très simplement, ça peut contribuer à ouvrir des yeux. Donc, hein, ça peut ne faire que du bien. La deuxième lecture, c'est une lecture que je viens de commencer. C'est une fameuse brique, par contre, parce que ça fait quasiment 400 pages. C'est le bouquin We, W-E, donc nous, de Gillian Anderson et Jennifer Nado, qui est un manifeste pour les femmes du monde entier et dont le concept se rapproche beaucoup du concept de Valériane. Et du coup, ça m'a un peu tilté. Je lui ai d'ailleurs conseillé cette lecture hier. Je viens de commencer le livre, comme je disais, mais je le trouve déjà super intéressant. C'est un livre qui va nous proposer des principes et des conseils à appliquer à notre vie et qui surtout prône une véritable alliance, une véritable entraide pour les femmes et qui va vraiment nous pousser à nous tirer vers le haut plutôt qu'à nous tirer dans les gambettes comme on fait encore bien trop souvent. C'est vrai que je sais pas si vous constatez ça aussi au jour le jour, mais les femmes entre elles peuvent être très cruelles. Alors là, on parle même pas de « oui mais les hommes sont si, oui mais nous on a moins, moins de tout ». Non, là je souligne juste, entre femmes on peut être de vraies « bitches ». Et ces concepts, je trouve, et ces lectures vont un peu essayer de démonter ça et de dire « non ». On est toutes ensemble, on est toutes réunies, et si on veut arriver à l'égalité des genres, et si on veut arriver à avoir les mêmes droits que les hommes, on doit se soutenir et on doit arrêter de critiquer la tenue de l'autre, critiquer les mœurs d'une telle, vous voyez un petit peu le genre. Donc, deux lectures que je vous recommande. Si vous en avez à me recommander en français, je suis preneuse bien évidemment, même si sur Amazon US c'est un petit peu plus difficile. Mais je cherche quand même des lectures en français parce que je pense que plus on lit et plus on en sait. C'était un vlog un petit peu particulier aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder grâce à cet événement qui ne sera pas le dernier, je pense, auquel je vais participer, notamment parce que je me suis inscrite pour, pour un autre événement qui aura lieu le 30 mai. Je vous en reparlerai en temps voulu. Mais voilà, je voulais simplement vous dire aussi que je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos du genre sur ma chaîne. Non pas que je n'aime plus la beauté, c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je pense que vous l'avez compris, si vous suivez un tout petit peu ma chaîne, je ne suis pas une céréale acheteuse, une céréale consommatrice. Je ne suis pas à l'affût des nouveaux produits, des nouvelles tendances. J'aime le make-up, j'aime la beauté, j'aime vous parler de tout ça. Mais j'aime aussi autre chose. Et j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que ma chaîne ne soit pas dans une case beauté, même si au début je me définissais comme ça. Je pense que c'est chouette de pouvoir parler d'un petit peu de tout avec vous, de développement personnel et, c'est un petit peu lié mais pas toujours, de féminité. Je fais juste une petite parenthèse, les vues sur ma vidéo bilan post-pilule après 3 ans et demi d'arrêt ont complètement explosé en un mois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais déjà merci, merci, merci à toutes celles qui ont regardé, qui ont réagi à cette vidéo, parce que franchement je ne m'attendais pas à autant de retours et surtout à ce qu'on soit autant dans le même cas.
Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un gros problème, c'est que les petits soucis, et j'ai même pas envie de dire soucis en fait, les choses naturelles qui se passent dans le corps et dans la tête d'une femme, on n'en parle pas assez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais, encore parenthèse dans la parenthèse, la libido et les problèmes de libido avec la pilule, personne n'en a jamais parlé. Moi, mon médecin, la famille, l'entourage, peut-être que les femmes de ma famille ne savent même pas que voilà, qu'il y a des soucis par rapport à ça. On n'en parle pas assez de ces problèmes qu'on peut rencontrer avec la pilule, mais avec plein d'autres choses. Et vous savez quoi? J'ai envie, moi, d'en parler. J'ai envie de briser certains tabous, pas en mode « ça y est, on fait le buzz, on va parler libido, sexe et compagnie ». Je vais pas vous raconter ma vie, non, c'est pas le but, mais je veux pouvoir vous aider si c'est possible. Donc, tout ça pour dire, déjà, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur l'arrêt de la pilule et les effets que j'ai eu jusqu'à 3 ans et demi après, je vous invite à aller la voir et éventuellement à me laisser un petit commentaire avec votre expérience, mais surtout à lire les commentaires, parce que franchement, même si c'est moi qui ai fait la vidéo, j'apprends encore plein de choses grâce à vous, donc merci. Et je voulais aussi vous dire, dans cette énorme parenthèse, que je vais du coup préparer une vidéo sur toutes les contraceptions qu'il existe pour hommes, pour femmes, naturelles, non naturelles, hormones, pas hormones. Donc, profitons-en si vous êtes encore là et si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, si vous vous posez des questions par rapport à la contraception en général, hein, dans son entièreté, n'hésitez pas. Moi, je suis en train de faire mes recherches, je veux vous préparer une vidéo complète pour essayer de donner le maximum d'informations possibles à celles qui en ont besoin, mais aussi à ceux qui en ont besoin, parce que ça, c'est aussi quelque chose, peut-être quelque chose dont je parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo, mais les problèmes de femmes et tout simplement le corps de la femme ne devraient pas être un tabou pour les hommes. Hein. Moi-même, j'ai fait l'erreur, je trouve, de dire, quand je parle de règles, par exemple, les mecs, quittez cette vidéo, c'est pas pour vous. Ben non. Voilà. Donc, Momo, elle y va, elle met les pieds dans le plat. Ouais, je commence à dire des bêtises, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Mais j'espère que ces vidéos un peu plus féminité et développement personnel vous plairont. Surtout n'hésitez pas à me le dire s'il y a des choses, des sujets dont vous voulez que je parle. J'ai parlé aussi d'une future vidéo qui sera sur les personnes toxiques. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie juste de parler de mon ressenti personnel et de dire peut-être des choses qui ne sont pas correctes. Donc je me renseigne. Et si vous avez aussi des lectures à me conseiller sur les personnes toxiques en général, hein, pas spécialement un cas de personnes toxiques, surtout n'hésitez pas à me les conseiller. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux que je mets juste ici et vous pouvez me communiquer les titres de livres aussi sur ces réseaux sociaux. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais parce que j'en ai pas encore parlé. Mais j'ai une chaîne en anglais maintenant. Beaucoup, beaucoup de blabla dans ce vlog, mais j'espère que toutes ces petites informations, ces recommandations de lecture et mes questions vous auront plu et vous donneront matière à me laisser un petit mot ci-dessous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.